Provence in general is a pricey touristy destination. Many tourists from around the world come to Provence because they like to visit the fields of lavender, because it's very sunny, we have good temperatures. They like the wine, the food on the market. When you're traveling to France, you can always stay at a luxury hotel. Prices at hotels in Provence can go anywhere from 300 to 1200 euros. But if you stay at one of these beautiful bed and breakfasts, you can pay anywhere from 100 to 120 euros. A steal. Known in French as a chambre d'hôte, the idea of a bed and breakfast also equals intimacy. Voilà. Chef Pierre Pommel and his wife live in a manor, and they open it up to everyone to stay at. Il y a beaucoup de sortes de chambres d'hôtes, comme la Bastille et d'autres belles demeures, où là, donc, on retrouve un vrai luxe. C'est le confort, c'est la convivialité, le calme, la sérénité. It's a guest house with 5 rooms, very spacious, light filled. It's with the view over the countryside. It's got an indoor pool and an outdoor pool, very peaceful, just absolutely beautiful. And Pierre also runs a cooking school right there. Demain, nous allons faire un cours de cuisine. Je déciderai, en faisant le marché, en voyant les produits, l'inspiration qui me viendra, et je vous dirai, tac, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Alors celui-ci, c'est au fromage, à la pomme de chèvre. Ça, c'est bien typique d'ici, hein. Voilà, ça, c'est le morceau de fromage. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce que je ferai demain. C'est là où on retrouve le plaisir de cuisiner, c'est faut que ce soit vraiment... que ça vienne du cœur tout de suite. Ah, tu as une grosse. Ça va sortir, ça va. Ah, bien. Allez, au revoir, hein, à la prochaine. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Chef Pierre left his acclaimed restaurant La Semellerie years ago to put his full focus on feeding and teaching his guests at La Bastille. Pierre is a very well-known chef, so being able to work under his tutelage, to take some courses, it's a real treat. It's really a privilege. Il y a quelques chefs en France comme moi qui ont pris cette décision de venir sur ce créneau-là, je dirais. Parce qu'on a retrouvé le plaisir de cuisiner sans les contraintes de la restauration traditionnelle. Superbe truffle. C'est trop bon, ouais. Wow, fabulous. Provence is expensive. To stay in La Bastide des Princes, you get a personal and great experience for a great rate. La Bastide des Princes really is one of the most wonderful luxury experiences you can have in all of Provence. Oh, c'est excellent. Bravo à tous, vous avez bien travaillé, vous méritez. Merci. Bon. Bravo, hein. Et la prochaine fois, c'est nous qui vous invitez chez nous, hein. Allez, allez.